Ok, je pense qu'on peut démarrer. Tout d'abord, nous tenons à nous excuser de ces soucis techniques, en fait, de ces quelques soucis techniques. Ok, c'est bon. Merci encore une fois d'avoir répondu présent pour ce live de fin d'année. Je tiens d'abord à remercier Michel Lai Bambasek, notre administrateur de la team Marketing TV Monde et l'ensemble des intervenants qui se sont vraiment montrés durant cette année 2020, qui a été une occasion pour nous tous vraiment d'échanger avec tous nos followers. Que malgré quand même ce contexte assez difficile. Donc aujourd'hui en fait nous allons parler en fait d'un élément en fait qui nous tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire le SAV dans le service public. Quand on parle de SAV dans le service public, c'est les services après vente dans les services publics. Mais tout au long de cette présentation, nous allons essayer de voir en fait de quel type de SAV on parle et de quel service public parle-t-on. Parce qu'en fait on a cette notion de SAV peut-être peut ne pas être applicable un peu partout. Donc il y a de ces secteurs où peut-être on ne va pas trop mettre l'accent sur les SAV, mais il y en a d'autres en fait qui sont vraiment dans les services publics où vraiment la notion de SAV peut être très 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 importante. Et pour cela, peut-être nous allons commencer par expliquer c'est quoi d'abord un service public. Parce que étant donné que le thème porte sur cela, donc nous allons voir c'est quoi exactement un service public. Et par rapport à cet élément, on peut dire tout simplement qu'un service public, c'est une activité dont l'objectif est de satisfaire un besoin d'intérêt général. Une activité dont l'objectif est de satisfaire un besoin d'intérêt général. Mais en fait, on peut noter que ces activités de service public peuvent être exercées par l'État ou bien des collectivités territoriales ou encore plus par des organismes privés ou bien publics dotés de prérogatives qui leur permettent au moins d'assurer cette mission. Et on peut en citer juste quelques exemples, hein, quelques exemples de secteurs d'activité qu'on peut plus ou moins trouver dans les services publics. D'abord, on a peut-être la santé, d'une part aussi l'enseignement, le transport, l'énergie, l'électricité, l'eau, l'assainissement. Mais en fait, on peut juste retenir que cette notion de service public, par exemple, peut être en fait différente d'un pays en autre. Tout dépend en fait de l'appréhension que les uns ou bien les autres en fait ont de cette compréhension par rapport au service public. Donc c'est un élément qui est relativement large, qui mérite vraiment une explication assez poussée, assez approfondie pour voir aujourd'hui quels sont les défis auxquels, par exemple, ces services publics sont confrontés dans le cadre de la relation client, particulièrement dans le SAV. Et cette notion, par exemple, de service public, par exemple, sur le plan juridique, peut-être je ne vais pas trop m'appesantir parce qu'il y a des juristes, en fait, qui sont aguerris à la tâche, qui vont peut-être nous appuyer sur ça. Ça qui désigne, en fait, un ensemble d'activités qui sont réalisées sous le contrôle, par exemple, de l'État. Ça peut être un contrôle partiel ou bien un contrôle total par l'État ou bien les collectivités locales. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Mais cependant, il conviendrait, en fait, vraiment de dissocier un élément, c'est-à-dire le service public et à peu près le secteur public. Aujourd'hui, merci, monsieur Ablaïmbo. Oui, ça, c'est le country manager de LG Electronics au Sénégal. Je te passe le bonsoir. Merci quand même, hein, d'avoir répondu présent et de suivre un peu ce direct. Je salue au passage aussi monsieur Pape Diatta Colissard, un ami et frère qui est vraiment connecté. Merci, merci d'avoir répondu présent. Et sur ce, nous allons toujours continuer hein, notre présentation sur cet élément, sur le service public, les SAV dans le service public. Donc tout à l'heure, on parlait un peu de la notion quand même sur entre le service public et le secteur public. Aujourd'hui, quand on parle de service public en tant que tel, en fait, ça peut être assuré, comme on l'a dit
tantôt. Ça peut être assuré par une entreprise privée dans le cadre, par exemple, d'une concession. Ça peut être assuré par une entreprise privée dans le cadre d'une concession ou un contrat, par exemple, un contrat analogue comme l'affermage, par exemple. Et cela se fait suivant un cahier de charges. Je donne un exemple. Par exemple, ici au Sénégal, on a, par exemple, des sociétés comme, en fait, qui sont en charge de l'eau. Je donne un exemple, comme, je dirais pas l'ASD, mais plutôt la SENO, par exemple, qui est peut-être une entité privée qui aujourd'hui gère un peu la partie concernant la commercialisation et autres sur le secteur en fait de l'eau et autres. Donc de l'autre côté, les autres démembrements sont toujours gérés par exemple des services qui sont publics mais aussi qui sont entièrement sous la tutelle de l'État. Donc ça quand même faudrait le mentionner par rapport à cet élément. Et aujourd'hui, au-delà de cette notion sur les services publics, nous, de notre côté, en fait, en tant que, je dirais pas expert du marketing, mais en tant que consultant, peut-être nous allons faire un focus sur, par exemple, cette notion de SAV. Merci, Pabiata. Merci, on est de tout cœur avec toi, mon frère. Merci. On suit de près hein, les commentaires et autres pour ne pas trop s'emporter. Ok, donc peut-être aussi à rappeler que s'il y a des contributions, des éléments sur lesquels vous voulez revenir, n'hésitez surtout pas. Hein. Nous sommes là, ok, il y a les commentaires que nous allons lire. Et peut-être même pour annoncer, il y a un collègue peut-être du nom de Hassan Meng qui voudrait vraiment intervenir tout au long de ce live sur le thème en fait qui est assez intéressant ou bien qui répond quand même à son heure parce qu'aujourd'hui c'est une problématique essentielle. Quelle est aujourd'hui la part ou bien la place du SAV ou bien la place par exemple du marketing ou bien dans la relation client auprès des services publics parce que souvent c'est une notion qui est reléguée au second plan. Je dirais pas au second plan mais aujourd'hui vous allez comprendre que en fait cette notion commence à gagner un peu du terrain parce qu'aujourd'hui la qualité publique en fait le service public a un défi c'est-à-dire aujourd'hui d'assurer un service de qualité d'assurer un service de qualité qui va répondre quand même aux besoins des citoyens. Aux besoins des citoyens, mais quand même au juste coût. Parce que tout simplement, la qualité de ces prestations de services publics est une notion qui est très très complexe en fait. Elle recouvre non seulement la qualité relationnelle, et celle aussi du contenu, celle aussi en fait qui est contenue dans le service en tant que tel. C'est pour cela aujourd'hui, tout à l'heure, on l'a dit, en fait, ils sont confrontés à des défis. Particulièrement, on peut citer un élément essentiel, c'est-à-dire la raréfaction des ressources budgétaires, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons mentionner que c'est les sociétés qui sont quand même dans ce secteur et qui s'occupent quand même vraiment de ce volet de services publics, qui sont sous la tutelle de l'État à 100%. Okay, on peut dire qu'ils ont, elles sont plutôt confrontées à un problème de budget. Problème de budget, okay, parfois c'est les moyens qui manquent. Okay. Ici au Sénégal, on a des cas. Aujourd'hui, si nous prenons le cas d'une entreprise comme la Poste, actuellement il y a pas mal de débats autour quand même de cette boîte qui est un joyau qui est un joyau de ce pays. Donc pourquoi aujourd'hui ne pas essayer aujourd'hui vraiment de renforcer cette boîte afin qu'elle puisse vraiment retrouver quand même son luxe d'antan. Parce que il le faut nécessairement. Un pays qui voudrait tendre vers le développement a besoin en fait de quelques services clés. Et cela en fait partie. L'autre aspect, c'est l'autre aspect concernant les défis quand même des services publics ou bien du secteur public en quelque sorte, on peut aussi mentionner la question sur l'inadéquation en fait des fonctions et des profils. Donc ça, c'est une question aussi sur laquelle je ne vais pas trop me présenter parce que c'est un débat qui est là. Parce qu'aujourd'hui, si on demande à ces sociétés qui sont par exemple qui s'occupent par exemple des services publics, bon, je donne un peu d'exemple, forcément, souvent en fait, si c'est un privé qui est en charge quand même de ce service public, par exemple, cette société n'a pas été, par exemple, désignée au hasard. Forcément, c'est une société qui a pu répondre à des normes qui ont été préétablies par l'État du Sénégal, par l'État. Je m'excuse, ça peut ne pas être uniquement au Sénégal. Il y a un cahier de charge qui leur a été plus ou moins soumis. Ils ont répondu aux normes sur ces cahiers de charge. Et pour dire tout simplement qu'on est capable aujourd'hui de gérer quand même ce service public d'intérêt général. Mais on se rend compte que souvent, durant l'exploitation, il y a quelques soucis. Ces sociétés sont confrontées à quelques soucis. Et maintenant, il est important aujourd'hui d'identifier ces points de blocage par rapport quand même à ces contraintes.
Tout à l'heure, on a parlé de la réflexion des ressources budgétaires. Donc là, ça concerne vraiment ces sociétés qui sont 100% étatiques, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, qui sont gérées par l'État, peut-être à 100%, peut-être parfois le privé n'intervient pas. Parce que d'habitude, on voit que si le privé intervient dans des secteurs de ce genre, forcément, il y a une obligation de résultat derrière, ou bien il y a des exigences. Parce que c'est des partenaires externes, des gens qui sont dehors, okay, des investisseurs qui mettent leurs sous. Donc forcément, ils s'attendent à des résultats à venir. Mais malheureusement, ce qu'on voit de l'autre côté, c'est-à-dire que tant que ces structures sont détenues par l'État à 100%, souvent on se rend compte que souvent il y a un laxisme derrière. À moins qu'il y ait quand même une vision stratégique qui, plus ou moins, va essayer. Va répondre à des exigences, non seulement vis-à-vis de l'État, mais aussi des exigences vis-à-vis de la clientèle. Aujourd'hui, parmi ces sociétés, on peut citer l'exemple de la Sénélec, qui depuis un temps record, on se rend compte que c'est une boîte qui a commencé vraiment à changer de visage vis-à-vis non seulement de ses bailleurs, mais aussi de sa clientèle. Parce que tout simplement, il y a une vision stratégique sur laquelle aujourd'hui, la direction générale s'est inscrite depuis le début. Donc cela va forcément se répercuter au niveau des résultats. Mais on voit de l'autre côté, c'est d'autres sociétés qui ne sont pas dans ces cas de figure ou bien qui n'ont pas cette vision éclairée dans le management ne suivent pas trop côté performance, côté résultat. Donc c'est pour cela là aussi, donc ça peut être vraiment considéré comme un point de blocage vis-à-vis aux performances de ces sociétés. Parmi ces défis aussi, bon, je l'ai dit tantôt, l'inadéquation des fonctions et profils. Parce que une société qui est en charge, par exemple, un service public, si cette société est détenue à 100% par l'État, ça ne doit pas justifier, par exemple, le fait qu'il y ait, par exemple, des manquements. Parce que, quel que soit Alpha, il y a, comme on le dit, une obligation de résultat derrière. Cette obligation de résultat, qu'on soit vraiment. Que la société soit détenue à 100% par l'État ou bien ses entités, doit vraiment être quelque chose d'assez intéressant. Excusez-moi. Ok, donc ça, c'est en fait des contributions qu'on a de l'autre côté. Donc pour revenir sur ce que je disais tantôt, quelle que soit la composition du capital de la société aujourd'hui, nous pouvons dire que ces sociétés ont cette obligation de résultat vis-à-vis non seulement, je dirais pas obligation de résultat, mais une obligation en fait qui est orientée vers la satisfaction du client en assurant un service de qualité. L'autre aspect, c'est que tout simplement, parmi ces sociétés toujours en fait, elles sont souvent confrontées à des soucis d'ordre en fait organisationnel et structurel. D'ordre organisationnel et structurel. Je m'excuse, je vais m'expliquer un peu. C'est un problème qui est toujours là. Hein. C'est un problème qui a toujours existé, comme je l'ai dit. Parmi les sociétés qui ont en charge les services publics, il y a de ces sociétés qui sont peut-être à 100%, qui sont détenues à 100%, dont le capital est détenu à 100% par l'État. Il y a d'autres sociétés, par exemple, où l'État décide de confier. Va confier la gestion à une société privée, par exemple. Ou bien de l'autre côté, on assiste peut-être à des sociétés parapubliques qui sont plus ou moins détenues d'une part par l'État et d'autre part par d'autres investisseurs. Mais quel que soit, on l'a dit tout à l'heure, quelle que soit vraiment la forme, je dirais pas peut-être la forme juridique, peut-être, okay, cela ne doit pas exclure vraiment. Ce service de qualité qu'il doit y avoir derrière. Donc c'est pour cela qu'on parlait tantôt en fait des défis, ces défis majeurs auxquels les services publics sont confrontés. Et sur ces défis majeurs, tout à l'heure, on a parlé de raréfaction des ressources budgétaires. Ça concerne vraiment les structures qui sont gérées à 100% par l'État. De l'autre côté, l'inadéquation des fonctions et profils, parce que tout simplement, parfois, les sociétés sont obligées. Bon, ok, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas trop s'appesantir, mais c'est une réalité qui est là. L'autre point, ça porte en fait sur les réformes organisationnelles et structurelles. Certaines sociétés, peut-être à un certain moment donné, doivent plus ou moins revoir leur gestion en fait. Sinon, en fait, c'est un problème qui est là et puis bon, qui demeure. Jusqu'à présent, on n'arrive toujours pas à régler beaucoup de manquements. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple d'une société de la place qui est ici au Sénégal. Et malheureusement, il y a beaucoup de soucis peut-être en interne. Les gens en parlent un peu partout. Donc, d'où l'intérêt aujourd'hui de revoir un peu le management qui y a derrière. S'il y a lieu, par exemple, d'aller vers des réformes majeures, de définir, par exemple, okay, un plan stratégique assez pertinent, une vision éclairée de la chose, cela le permettra tout simplement.
L'autre aspect, c'est on assiste à une révolution numérique, à une révolution technologique. Et on se rend compte que souvent, certaines structures, en fait, qui en charge de ces, qui s'occupent de ces services publics et qui sont peut-être détenues majoritairement par l'État, peut-être parfois elles ne suivent pas derrière cette révolution technologique. Parce que tout simplement, on est à l'ère de la technologie. Donc aujourd'hui, quand on parle de SAV, je dirais plutôt qu'aujourd'hui, presque à 80%, peut-être on est en phase, par exemple, de digitalisation. On doit être à l'écoute de la clientèle. Non seulement c'est une écoute qui est attentive, cette écoute qui peut être par exemple physique au niveau des agences ou bien au niveau des points relais, mais aussi offrir à cette clientèle des canaux assez diversifiés qui leur permettront par exemple de remonter leurs requêtes au niveau de la société mère qui va plus ou moins essayer de voir aujourd'hui dans quelle mesure elle va s'en occuper. Parce que ce qu'il faudrait dire, en fait, il y a des contrats de performance qui lient ces sociétés souvent à l'État du Sénégal. À l'État, bon, je m'excuse, hein, quand je dis l'État du Sénégal, c'est parce qu'on est au Sénégal. Donc, ces sociétés, en fait, travaillent sur la base de contrats de performance. Donc, ces contrats de performance les obligent, comme on le dit, OK, à être orientés, par exemple, vers des résultats. Mais ces résultats peuvent ne pas être forcément sur le plan, peuvent ne pas porter impérativement sur le plan financier, mais c'est des résultats qui sont orientés qualité de service. Qualité de service et délai de traitement. Oui, ils ont une obligation d'assurer une bonne qualité de service, mais aussi suivant des délais qui sont bien définis. Donc, quel que soit le cas, ces sociétés doivent plus ou moins se conformer quand même à ces dispositions, réglementaires. Ok, merci, Monsieur Chimarwad. Ça, c'est notre collègue. Je vous passe le bonsoir, Chimère. Hein. Donc, on est à l'écoute de vos suggestions aussi. Hein, si vous en avez, n'hésitez surtout pas à nous les balancer dans les commentaires et nous allons progressivement répondre et échanger avec vous un peu sur le thème de ce soir. L'autre défi majeur dans les services publics, c'est tout simplement, tout à l'heure, on l'a dit, côté contrat de performance. Côté contrat de performance, il y a cette exigence, ok? Mais parce que tout simplement, l'exigence qu'il y a derrière, suivant par exemple le contrat de performance qui lie ces sociétés à l'État, par exemple, permet à ces structures, par exemple, de bénéficier souvent de financement de la part de certains bailleurs. Aujourd'hui, à l'international, les gens suivent pas mal des sociétés africaines ou bien d'autres sociétés, uniquement en fait pour voir aujourd'hui est-ce que ces sociétés vraiment sont sur une logique de performance. Est-ce que ces sociétés sont sur une logique de performance? Et si ces performances sont plus ou moins... Oui, excusez-moi. Merci, Monsieur Chimère. Oui, on est de tout cœur avec vous, hein. Donc, je reviens un peu sur ces performances pour dire que c'est un défi parce que tout simplement, pour pouvoir bénéficier quand même de financement ou bien, par exemple, de l'appui de certains bailleurs, forcément, il faudrait répondre à travers un contrat de performance. Donc, les entreprises publiques ou bien parapubliques ou bien privées qui ont en charge, par exemple, les services publics, mais dans ce cas de figure, ces entreprises privées qui ont en charge les services publics, là, c'est un peu différent parce qu'on les considère comme des entreprises privées qui viennent pour un objectif bien défini, qui ont un objectif bien défini. D'habitude, en fait, ces objectifs, OK, comme je l'ai dit tantôt, ces objectifs en fait ont été plus ou moins déclinés sur un cahier de charge. C'est le cahier de charge qui leur permet aujourd'hui de travailler, mais aussi de plus ou moins se conformer par rapport à l'exigence de l'État, par rapport à la fourniture d'un service bien déterminé, et qui est un service, par exemple, d'intérêt général. L'autre défi, hein, on revient toujours sur les défis majeurs en fait dans les services publics, c'est que tout simplement auparavant il y avait cette notion soit d'usager ou bien cette notion d'abonné qu'on voyait auparavant. Mais aujourd'hui la tendance nous montre qu'en fait nos concitoyens en fait en demandent plus. Ils veulent plus être des usagers, ils veulent plus être des abonnés. Non, la tendance va vers une clientèle, mais aussi même en fait voir des partenaires. Oui, cette tendance, c'est une toute nouvelle donne en fait, parce que tout simplement, on est dans un environnement où
Le client devient de plus en plus exigeant. Qu'on soit dans une société publique, qu'on détienne par exemple le monopole, cela ne veut pas dire forcément que, on doit se dire, il n'y a pas de relation client derrière. Non. Si on est orienté performance, si on est orienté satisfaction du client, là quand même, il y a forcément cet aspect concernant la relation client. Et c'est important. La relation client va demeurer en tant que telle parce que, quel que soit Alpha, le but ou bien l'intérêt. Cet intérêt général est destiné à qui, par exemple? Cet intérêt général est destiné à une population, à une cible bien définie. Donc, d'où l'intérêt aujourd'hui de mettre en place des politiques commerciales, des politiques marketing assez efficaces qui permettront en fait à ces structures, quelle que soit leur situation, je dis bien, même si elles sont en situation de monopole, d'avoir en fait des services dédié à la relation client. Il le faut parce qu'aujourd'hui c'est une tendance, c'est la tendance actuelle. Il y a des sociétés qui sont passées par exemple d'usager à abonné et maintenant d'abonné à client et maintenant on parle de partenaire. Pourquoi de partenaire? Parce qu'on se rend compte que le client est devenu quand même un partenaire qui est incontournable. Le client, s'il a une certaine insatisfaction sur un service donné, il n'hésite pas à crier son ras-le-bol un peu partout. Et aujourd'hui, avec l'ère du digital, cela va participer davantage à discréditer ces sociétés. Et les sociétés n'ont pas intérêt à ce qu'en fait, à ce qu'elles soient plus ou moins discréditées au regard de la clientèle. Et d'autant plus que l'information va tellement vite que. Excusez-moi. Juste quelques minutes. Le temps de lire quelques commentaires en inbox en bas. Hein? Tout à fait. Ok, merci et excusez-nous encore hein, pour cette petite interruption. Donc, il y avait l'appel du mieux à côté. Donc, il fallait quand même observer une toute petite pause hein, nécessairement. Ok, c'est parfait. Donc, nous continuons toujours hein, par rapport aux défis par exemple du secteur public, ou bien aux défis qu'il y a dans les services publics à pouvoir au moins apporter quand même une réponse diligente à la requête de la clientèle, mais aussi d'assurer un service client, d'assurer un service client efficace. Tout à l'heure, on a parlé en fait de défis sur le plan budgétaire, c'est-à-dire sur le plan financier. D'autres défis sur la concernant les RH par exemple, l'inadéquation des fonctions et des profils. Un autre défi par exemple sur les réformes organisationnelles et structurelles. Un autre défi par exemple sur la révolution technologique auquel ces entreprises publiques d'habitude doivent faire face. Et un autre souci aussi, c'est l'exigence de la performance publique pour pouvoir au moins maintenir quand même cette notoriété vis-à-vis des partenaires externes, des partenaires, à savoir les bailleurs, à savoir la clientèle, à savoir les partenaires financiers et autres. Et de l'autre côté, on a aussi évoqué la partie concernant le changement de comportement des citoyens, peut-être qu'ils ne veulent plus être traités comme des usagers ou bien des abonnés, mais plutôt avoir cette reconnaissance comme client. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, en fait, cette reconnaissance comme client, peut-être, va même au-delà. C'est pour cela qu'on parle même dans certaines structures de partenaires. L'autre aspect, ça concerne en fait
la volonté politique en fait de modernisation des services publics par exemple de l'État ou bien de ses démembrements. Parce qu'on a vu que depuis un certain temps, les États se sont orientés vers une approche de modernisation. Et c'est une approche de modernisation peut-être qui va porter ses fruits, parce que tout simplement, c'est devenu une exigence non seulement vis-à-vis de certains bailleurs, mais aussi une exigence de la population aujourd'hui qui réclame beaucoup plus de la part des services publics, de la part du secteur public ou bien de la part des services publics, de ces structures qui sont en charge des services publics. On l'a vu avec le secteur hydraulique, par exemple de l'eau dans la distribution, où par exemple souvent il y a pas mal de soucis dans la distribution. Les gens n'hésitent pas vraiment à crier le ras-le-bol, à envoyer des réclamations à n'en plus finir, à souvent manifester pour dire tout simplement que il faudrait tout simplement que ces services publics vraiment soient plus ou moins fournis de meilleure qualité. Merci encore, ça c'est la team de Marketing TV Monde hein, qui réagissent tout à fait en bas. Donc l'autre point, c'est l'amélioration de la qualité de service. Okay. Quel que soit le cas aujourd'hui, ces structures sont de plus en plus orientées vers une amélioration de la qualité de service. Et ça devient même une préoccupation fondamentale en fait, une préoccupation fondamentale et une action quotidienne. Une action quotidienne, parce que tout simplement, ces structures se disent tout simplement, elles sont obligées d'assurer en permanence un service de qualité. Et ça, comme on le dit, c'est nécessaire pour quand même changer, comme on le dit, changer, excusez-moi. Oui, je vais revenir sur ça. Ok, donc je l'ai dit tantôt, c'est un truc qui est assez important parce que ça permet tout simplement de changer plus ou moins l'image qu'on avait par exemple vis-à-vis de la clientèle. Parce qu'aujourd'hui, dans pas mal de services, pas mal de structures qui sont en charge par exemple des services publics, que ce soit des services qui sont entièrement gérés, qui sont gérés à 100% par l'État ou bien des services qui ont été confiés à une autre structure privé par exemple, d'habitude les gens ont l'habitude vraiment de décrier la qualité de ces services. Donc il est important aujourd'hui dans le cadre du SAV d'assurer en amont tout ce qui concerne vraiment la qualité de service. Maintenant, si cette qualité de service ou bien ces éléments sur la performance ont été bien assurés, maintenant on doit aller vers une approche par exemple sur le SAV. Sur le SAV parce que tout simplement, ce que les gens décrivent dans le SAV, dans les services publics, parce que tout simplement, les gens pensent que dans les services publics, ou bien dans ces structures publiques carrément, qui ont en charge vraiment des services, qui s'occupent de la fourniture de services publics, les gens ne sont pas assez réactifs. C'est un problème de réactivité. D'où l'intérêt aujourd'hui de mettre vraiment des gens, comme on le dit, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc ça, c'est un élément sur lequel en fait on doit plus ou moins insister. L'autre élément, c'est la notoriété de l'entreprise. Même avant de revenir sur la notoriété de l'entreprise, on a parlé tantôt en fait de l'aspect concernant l'écoute, mais aussi dans la diligence des requêtes. On se rend compte que dans la majeure partie de ces structures, il y a un souci quant au traitement des requêtes. Parfois, c'est des requêtes qui peuvent vraiment durer pendant un moment. Et malheureusement, derrière, il y a des contrats de performance, où les gens, ces structures doivent respecter des délais contractuels vis-à-vis de leur clientèle. Ou bien d'assurer, par exemple, de respecter des clauses, par exemple, sur une qualité de service, sur une qualité de service, en fait, meilleure. Mais on se rend compte que peut-être il y a des efforts qui sont faits par certaines structures, mais peut-être d'autres, en fait, là, le problème quand même demeure entier. Donc, d'où l'intérêt, comme on l'a dit tantôt, d'adopter cette politique de the right man to the right place. Pourquoi pas ne pas mettre vraiment, qu'on soit vraiment dans le secteur public ou autre, par exemple, d'assurer de mettre des gens qui ont vraiment les outils ou bien les compétences nécessaires à pouvoir au moins assurer ce service client, d'accorder une écoute attentive, de diligenter les requêtes. Parce que tous ces éléments vont participer en fait à la notoriété de l'entreprise en fait. Si l'entreprise dispose de SAV de qualité, de meilleure qualité, cela va plus ou moins être un atout sur la notoriété de l'entreprise. Forcément, si la notoriété quand même
elle est de plus en plus appréciée vis-à-vis de la clientèle, on va se rendre compte que tout simplement, il y a une meilleure relation client, il y a cette relation de confiance, il y a cette relation de proximité. On a vu des structures, par exemple, lors de certains événements, il y a des émeutes et tout, mais les gens, parfois, ils s'attaquent pas à des structures. Mais bon, il y a des structures qui sont ciblées. Pourquoi ces structures sont ciblées? C'est peut-être qu'uniquement derrière, il n'y a pas un SAV de qualité. S'il y avait une démarche de proximité, s'il y avait une démarche de confiance vis-à-vis de cette clientèle, vous allez voir forcément que les gens vont devoir se rendre compte qu'effectivement, l'entreprise là, ok, peut-être est confrontée à des difficultés ou bien à d'autres soucis. Mais la clientèle va devoir comprendre. Mais on se rend compte qu'il y a vraiment une grande distanciation entre les usagers, comme on les appelait auparavant, et l'entreprise elle-même. Donc, si tel est le cas, cet écart va plus ou moins conduire à des sentiments, en fait, à un sentiment de, à des sentiments plus ou moins contraires. Excusez, oui. Oui, ok, excusez-moi, hein. Ok, c'est des réactions de l'autre côté, en inbox toujours. Ok, je disais tantôt, quel que soit le cas, en fait, il faudrait vraiment revoir un peu l'approche de ces services publics vis-à-vis de la clientèle. Et aujourd'hui, l'un des éléments essentiels, c'est au moins d'assurer, par exemple, la formation du personnel. La formation du personnel, on le dit, on le répète, la formation du personnel demeure un élément essentiel pour pouvoir au moins réussir ce SAV de qualité. Ok. Et peut-être un autre élément, c'est voir aujourd'hui mettre en place, mettre à la disposition de ses clients des centres de contact qui sont assez adaptés vis-à-vis de cette clientèle. Donc, peut-être on va continuer sur l'élément sur la SAV. Je vais peut-être appeler M. Hassan Bengan de One Way Group qui a vraiment souhaité participer, apporter vraiment sa contribution sur l'élément. Donc on appelle M. Bengan Hassan. Allô, oui, bonsoir Hassan. Oui, c'est Matar. Ça se passe bien, ça va? C'est bon, ouais. Donc on est là. Donc là, vous êtes en direct sur Marketing TV, Monde. Oui, ok, donc là vous êtes en direct, donc c'est juste pour écouter un peu votre contribution sur l'élément. Oui. Bonsoir mon frère. J'étais en train de suivre avec beaucoup de passion quand même Oui, merci. Tous les points que tu as eu à développer qui pour moi prend parfaitement en charge toutes les préoccupations Oui. qui touchent tout ce qui est marketing des services ou SAV. Donc, je profite de l'occasion pour saluer la communauté. C'est un nouveau membre qui vient juste d'adhérer à la communauté C'est avec de plaisir. marketing, voilà, Marketing TV Monde. Merci bien, Hassan. Merci. Donc là, quand même, je pense que y a Lai Bamba, l'administrateur, en fait, qui nous suit. Donc, comme vous le dites, en tout cas, l'équipe de Marketing TV Monde vous souhaite vraiment le bienvenu. Soyez les bienvenus parmi nous. Hein. Donc, c'est toujours un plaisir de se faire renforcer par des gens comme vous, Hassan. Bon, maintenant, par rapport à ce management, par rapport à ces SAV aujourd'hui, Hassan, quelles sont vos impressions sur les services publics? Par exemple, je prends le cas du Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que okay, ces SAV, par exemple, existent ou bien est-ce qu'il y a des progrès qui sont faits par certaines structures? Alors, c'est toujours quand même à l'étape embryonnaire, on va dire. Si on prend par exemple les secteurs les plus en vue, Oui. tu l'as évoqué tout à l'heure, comme par exemple l'exemple de la Sénélec, qui a fait quand même d'énormes pas en allant dans ce sens-là, parce qu'ils ont compris qu'il faut une bonne prise en charge de cet aspect. Gestion de la relation avec ses clients. Même s'il y a la position de monopole et tout, ils ont compris à un certain niveau que cette partie de cette clientèle qui toujours voyait cette relation avec ce service-là comme une relation conflictuelle, il leur fallait quand même commencer à mettre des outils pour un peu rétablir les bases d'une relation beaucoup plus stable, une relation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui considère ces consommateurs clients-là comme faisant partie intégrante du service. Oui. Alors, avant, par exemple,
on l'a connu dans les années 90 où il y avait les rushs au niveau des points de paiement en période de paiement de facture. Mmh. Ils ont essayé de prendre en charge en mettant en place des outils de gestion informatisée de tout ce qui est flux. Oui, oui. Après, ils ont vu que tout ce flux-là, ils ne pouvaient pas le contenir. Mmh. Ils ont externalisé les services de pays. Oui. Et c'est là, cet aspect-là qui, à mon avis, il y a eu, sur cet aspect-là, il y a eu un faux pas stratégique parce que oui. ils ont externalisé cette partie-là. Oui. Mais stratégiquement, ils devaient se préparer quand même à en faire un service okay. qui allait être un service générateur de recettes pour la CNLEC. Okay. Et ce service-là, aujourd'hui, ce qui en profite, c'est tous ces services-là de paiement de solutions digitaux. Okay. Alors, s'ils avaient intégré ces solutions-là dans la phase stratégique, oui. ils pouvaient se dire, nous, pour gérer quand même ce flux-là, oui. Il nous faut anticiper sur aujourd'hui à l'ère du numérique et mettre en place des outils, par exemple des plateformes de paiement qui okay. auraient pu appartenir à la CNLEC, okay. qui, pour mon avis, allait être quand même un plus. Okay. C'est ce qui ne s'était pas fait. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, même sur ces services de pays-là, vous voyez que chaque jour, ils essayent de faire des avancées en termes de services, oui. de qualité de service. Oui. De telle sorte qu'aujourd'hui, le client reste chez lui avec ses porte-monnaie électronique, oui. fait ses paiements de facture, oui. sans bouger de chez lui. Alors qu'on sait que voilà, ça paye. C'est deux fois plus cher que si on se déplace en agence, voire même plus. Oui. Mais on ne le sent pas parce qu'on a installé ce client-là dans un certain confort. Ok. Mm-hmm. Et c'est ce qui manque quand même, l'aspect de prise en charge des services quand même au Sénégal. Oui. Et de telle sorte, on a parlé tantôt du client qui veut aujourd'hui être qui exige une certaine reconnaissance. Oui. Vis-à-vis quand même parce qu'ils voient que ces services-là qui sont en train de payer ça leur coûte. Oui, oui. Et que de l'autre côté, il n'y a pas cet effet de retour-là, comme quoi ils sont très bien pris en charge. Okay. Je donne l'exemple d'une banque quand même chinoise, HSBC. Mm-hmm. Et ce qu'il fait dans les métropoles, il cible les étudiants qui sont dans les business schools. Oui. Il leur ouvre des comptes avec tout ce qu'il y a comme avantage. Ok. Pour un étudiant. Donc, si on ne comprend pas, nous, quand on est arrivé et qu'on nous ouvrait les comptes, on se disait, pourquoi on nous traite comme si on était quand même des chefs d'entreprise et tout. Okay. Mais c'est après, quand on a fait nos cours en marketing des services, qu'on a compris qu'ils nous ont fidélisés même avant qu'on ne soit dans le monde du travail, concrètement. Okay. Okay. Et une fois dans le monde du travail, notre premier réflexe, c'est de dire, OK, HSBC m'avait déjà sollicité dès le départ. Voilà, il passe directement vers la HSBC. Okay. Donc, c'est ce qui n'existe pas. Et ce qui est encore que je pourrais rajouter au niveau du Sénégal, c'est le manque de standards. Oui. Par exemple, vous allez dans les banques, vous pouvez tomber par exemple sur des gestionnaires ou gestionnaires de comptes qui sont assez sympathiques, qui prennent en charge vos préoccupations. Comme vous pouvez aller toujours dans la même banque, vous partez dans une autre branche. Et vous avez un sentiment d'insatisfaction. Donc, quelque peu, il n'y a pas les standards, l'équilibre de ces standards-là. Okay. Par exemple, moi, j'adhère à un tel service, c'est au service que j'adhère. Okay. Je vois l'enseigne, par exemple, de la CNLEC. Partout que ce soit sur le territoire sénégalais, je m'attends à recevoir les mêmes qualités de service. Okay. Que ce soit à Dakar ou à Kédou ou ailleurs. Donc, il y a cet aspect de manque de standardisation encore qui pose encore problème dans nos pays. Et on le vit tous les jours. Oui. On voit plein de personnes qui se disent, OK, moi, je suis malade, mais bon, je préfère prendre des kilomètres, aller à l'hôpital d'Antec parce que, bon, le centre de santé ici, voilà. Oui. Tout ça, c'est l'aspect de premier contact. Parce que pour un service, le premier contact est toujours important. Oui. Et ce premier contact-là, une bonne partie est assurée par le staff de frontline. Oui. Si ce staff-là, comme vous l'avez dit tantôt, n'est pas très bien formé, et la formation ne se limite pas seulement à leur faire une formation de base. Oui. Il faut quand même que ça soit une formation continue. Qu'il y ait des monitoring, qu'on puisse voir si aujourd'hui il y a des exigences nouvelles qu'ils doivent prendre en charge, qu'il y ait des formations d'appoint pour les pousser à pouvoir répondre à ces exigences de ces clients-là.
En tout cas, il y a beaucoup à faire dans le secteur des services. Effectivement. Avant, le consommateur ne le savait pas parce que on avait l'impression que il nous rend des services. Oui. Alors que c'était le contraire, parce que si on achète un service, c'est grâce à nous que ce service-là existe. Existe, oui. Effectivement. Donc, c'est ce niveau d'exigence-là, d'éducation ou d'auto-éducation que les clients ou les consommateurs doivent avoir. Donc, forcément, ça va arriver à un niveau où ils vont se dire, OK, aujourd'hui, j'ai cinq solutions sous la main. Voilà, j'ai la liberté quand même de pouvoir analyser et me dire, tel service correspond plus à mes exigences. On le voit Effectivement. aujourd'hui sur le monde sur les secteurs des fintech ou les services de transfert. Chaque jour, on voit un nouveau service qui arrive Qui et arrive, oui. qui parvient à prendre des parts de marché. On se Effectivement. dit, mais comment est-ce que ça peut se faire? Mais parce qu'il a juste exploité des failles que les Des autres ont failles, laissées en effectivement, rang. des concurrents. Exactement. Et ce Oui. que les chefs d'entreprise et entrepreneurs Oui. doivent savoir, c'est que une bonne gestion du service, que ce soit SAV ou bien customer management, tout ce que vous voulez, ça participe de manière directe à l'augmentation quand même de tout ce qui est recettes et chiffre d'affaires et croissance de l'entreprise. Oui, Et surtout. ceux qui l'ont compris, c'est-à-dire aujourd'hui, même à l'image de pays, on peut le voir, des pays qui, en termes de ressources, n'ont pas de ressources. On peut quand même Oui. citer l'exemple du Rwanda aujourd'hui. Oui. Si le Rwanda a une certaine ouverture, c'est parce qu'ils ont su positionner leur pays Oui. à telle enseigne que les gens ont cette perception-là que le service est intangible. Donc Effectivement. c'est cette perception-là qu'on a du Rwanda. On se dit que bon, c'est un pays quand même porteur. Ouais. Mais c'est quoi un pays porteur? Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas autre chose comme le Sénégal, mais les gens le voient comme un pays porteur. Ouais, ils ont réussi Donc leur ils ont su. positionnement. Exactement. Et c'est ce qui manque quand même dans nos pays là. Aujourd'hui, si on a les ressources qu'il faut, qu'on a la ressource humaine qui puisse encadrer tout ce qu'il faut, Oui. donc moi je me dis que ce qui reste, c'est quand même de se hisser à ces standards-là. Effectivement. Ouais. Surtout. Donc Surtout. voilà, c'est quelques points que j'ai voulu juste rajouter. Merci. Et encore te remercier de cette intervention et de toucher à des points comme tout ce qui est SAV, gestion des services, qui interpelle quand même tous les entrepreneurs et qui a Oui. beaucoup de secteurs vitaux dans nos pays en voie de Dans nos développement. pays en voie de développement, surtout. Surtout. En tout cas, merci encore, hein, merci encore, Hassan, pour Merci. cette pertinente intervention. Merci quand même d'avoir répondu présent pour ces quelques minutes quand même d'intervention. Ok, et ce sera un plaisir quand même de vous avoir un de ces quatre ans sur les plateaux de Marketing TV Avec plaisir, mon cher. sur un thème. Donc il n'y a pas de souci, peut-être nous allons vous revenir très rapidement sur cela, Inch'Allah. Merci, merci, madame. Merci bien, Hassan. Merci. Merci bien. Oui, en fait, il est toujours bien, en fait, souvent d'avoir quand même certaines interventions sur des sujets de ce genre, parce que tout simplement, ça interpelle tout le monde. Ça interpelle tout le monde. Aujourd'hui, quand on parle de services publics, quand on parle de secteur public, quand on parle de SAV, surtout de SAV au niveau dans les services publics, là, quand même, c'est un élément qui interpelle tout le monde. Merci, merci encore, Hassan, pour cette contribution. L'autre élément, c'est comme il l'a si bien dit, c'est aujourd'hui le défi de développer ce qu'on appelle le capital sympathie vis-à-vis de la clientèle. D'habitude, on voit que c'est des structures. D'habitude, ces structures qui sont majoritairement en public et tout, détenu par l'État. On voit souvent que c'est des structures en fait qui n'ont pas de capital sympathie vis-à-vis de la clientèle. Mais pourquoi ce manque en fait de capital sympathie vis-à-vis de la clientèle? Parce que tout simplement en fait, tous les leviers qui doivent plus ou moins agir dans la démarche de la relation client peut-être ne sont pas vraiment activés. D'où l'intérêt aujourd'hui vraiment de regrouper. Parce que les ressources sont bien là, les ressources sont bien disponibles. Comme on le dit, vouloir au moins c'est pouvoir. S'il y a une volonté réelle derrière, par exemple de la part du top management d'une structure quelconque, de vouloir moderniser, de vouloir vraiment changer d'approche, changer vraiment la vision des choses, là dans ce cas de figure, forcément les choses vont devoir
voir, en fait, nous allons vraiment sentir cette amélioration dans la qualité de service. Nous devrions vraiment aller vers cette toute nouvelle tendance. Tout à l'heure, il y a Hassan qui l'a mentionné, le volet concernant la formation du personnel. Comme on l'a mentionné tout à fait en début de notre intervention, il y a l'aspect en fait concernant l'inadéquation en fait des fonctions et des profils. Donc, ce qui fait que forcément, il y a un petit souci derrière qui pose un problème sur la standardisation, parce qu'aujourd'hui, si on a des éléments ou bien des éléments clés ou bien un personnel adéquat ou bien un personnel assez qualifié dans une agence et que de l'autre côté on l'a pas ailleurs, par exemple, cela, ça pose un problème sur la standardisation. Et cette standardisation même va même au-delà même de la qualification, peut-être même au niveau même des procédures, au niveau même des procédures. Donc peut-être pour revenir un peu sur la notion sur la SAV, aujourd'hui on peut retenir que pour réussir le SAV dans ces services publics, il faudrait davantage vraiment multiplier vraiment ces points de contact vis-à-vis de la clientèle, améliorer la communication de façon continue, mais aussi gagner une certaine aisance et une assurance vis-à-vis de cette clientèle qui est assez exigeante. L'autre aspect, c'est aussi valoriser les interlocuteurs. On se rend compte que dans les structures qui ont en charge les services publics, c'est comme si en fait leur interlocuteur, à savoir cette clientèle, n'est pas du tout en fait, n'a pas cette considération en fait qu'il mérite. Alors que derrière, en fait, c'est un service d'intérêt général qui est destiné à qui? Qui est destiné aux citoyens sénégalais. Donc ce qui veut dire forcément, là, en fait, c'est un autre défi. On doit aller vers vraiment une valorisation de l'interlocuteur. Ok, s'il y a des incompréhensions lors d'un échange, par exemple, il convient vraiment de voir aujourd'hui sur quel point nous allons reformuler, sur quel point il faudrait plus ou moins reformuler sa requête pour voir exactement est-ce que vraiment il y a une certaine compréhension par rapport à ses attentes ou bien par rapport à sa requête. Ok, excusez, nous allons voir encore. Ok, merci encore LHJ depuis Canal, merci LHJ. Chérif Dia, merci encore hein, pour le suivi. Nia Ousmane Noreni, ça c'est mon frère. Bien des choses à toi Ousmane, hein, merci quand même. Hein. Je pense que c'est une problématique en fait qui nous concerne tous, hein. Non seulement ceux qui sont dans le secteur public, mais aussi ceux qui sont vraiment dans le secteur privé. Parce que d'habitude c'est une continuité et souvent il y a cette corrélation qui lie les deux. Les structures en fait dans ces deux secteurs. On va peut-être toujours parler des clés en fait pour essayer de voir un peu comment améliorer davantage le service après-vente en fait vis-à-vis en fait des services publics. Et dans ces services après-vente, on a bien dit, ok, multiplier les points de contact, multiplier les points de contact, faciliter l'échange qu'il doit y avoir entre l'interlocuteur, le client et l'entreprise en tant que telle. Assurez-vous plus ou moins une écoute attentive, mais aussi une certaine disponibilité. Une disponibilité, à cela aussi s'ajoute ce qu'on appelle une accessibilité. Ces structures doivent être accessibles vis-à-vis de leur clientèle. Ok? Bonsoir, Khadija Diagne, merci, c'est toujours un plaisir, ma soeur Khadija. Bien des choses à toi, Madame Diagne. Ok, donc il faudrait vraiment aller au-delà pour pouvoir au moins assurer ce SAV. Ok, ce SAV. Maintenant, par rapport avoir derrière, ce qu'il faudrait aussi avoir, c'est des indicateurs de suivi. Des indicateurs de suivi, peut-être le top management doit plus ou moins s'assurer du respect quand même de certains indicateurs. Parce que cela, il va, en fait, cela pourrait éventuellement impacter sur les performances de l'entreprise. Et comme on l'a dit tantôt, ces performances, en fait, vont au-delà vraiment de l'entreprise elle-même parce qu'il y a derrière, en fait, des partenaires qui sont là, ça peut être des partenaires financiers, les bailleurs et autres, par exemple, qui peuvent plus ou moins, avoir un œil sur les activités de l'entreprise. Parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, si ces entreprises voudraient éventuellement bénéficier davantage d'investissements de la part, en fait, de structures internationales ou autres, par exemple, il faudrait vraiment assurer cette performance dans la qualité de service. Et surtout la partie concernant les SAV. Des secteurs clés comme les structures qui ont en charge l'eau ou bien l'électricité doivent aujourd'hui mettre en place des SAV accessibles, disponibles H24.
Ok, se mettre à niveau, se mettre à jour par rapport à la technologie. Ok, multiplier les points de contact, comme on l'a dit tantôt, à n'importe quel moment. Si le client, par exemple, décide, voudrait avoir une information ou bien a une requête sur tel élément ou bien sur un service, ça ne doit pas attendre. Ça doit vraiment suivre dans les minutes, dans les minutes à venir. C'est vraiment le challenge ou bien le défi essentiel auquel ces structures qui sont spécialisées dans les services publics sont confrontées. La partie concernant l'interaction aussi, ça c'est à revoir. Ok, c'est à revoir. Multiplier davantage. Ok, revoir un peu l'interaction entre les deux. Ok, voir aujourd'hui. Ok, quelle est la stratégie qu'il faudrait plus ou moins adopter vis-à-vis des services clients. Mais cela ne sera possible qu'avec l'implication parfaite, une parfaite implication des ressources internes, particulièrement les agents. Parce qu'en termes de SAV, il faudrait que le personnel puisse suivre. Le personnel puisse suivre. On ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas vouloir mettre en place une démarche sur le SAV, un SAV efficace, sans pour autant compter sur la parfaite implication du personnel. Le personnel doit plus ou moins s'approprier de ce combat. Dire que, OK, nous sommes orientés vraiment performance, nous sommes orientés qualité de service. Oui, si tel est le cas, vous allez voir nettement que, OK, il y aura une performance, en fait, dans la qualité de service ou autre, par exemple. OK. Oui, OK. Il y a eu quelques réactions qu'on avait eu en inbox, donc là ça concerne plus en fait des contributions, des contributions pour peut-être au moins se confirmer ce que nous venons de dire. Mais bon, comme on l'a dit, hein, si vous avez d'autres contributions que vous pouvez aussi mettre en commentaire, mais mettez-les directement, nous allons écouter, suivre et peut-être échanger là-dessus. Donc c'est un sujet qui est relativement vaste, peut-être. Cette présentation ne va pas suffire pour pouvoir développer tous les aspects sur les SAV dans les services publics ou bien dans le secteur public. Tantôt, on a essayé d'expliquer un peu la distinction entre ces deux éléments sur le service public ou bien le secteur public. Ok. Oui, les réactions via WhatsApp aussi. On les a, donc plus de contributions, sujet pertinent, oui, tout le souci, ok, modernisation, donc le problème sur la modernisation, on en a parlé tantôt, il est encore nécessaire, voire primordial d'aller vers cette modernisation. Aujourd'hui, en termes de SAV, il y a le canal du digital qui occupe vraiment une place importante, en fait. Oui, mais on voit aujourd'hui au Sénégal quand même certaines sociétés, certaines structures qui sont vraiment dans les services publics quand même essayent de faire de leur mieux quand même. Hein. Il y a des progrès vraiment qu'on a notés. Une entreprise comme la Sénélec, quelle que soit le cas aujourd'hui, on peut se dire qu'entre une Sénélec de 2010 et Sénélec de 2020, quand même, il y a une grande différence. Hein. Il y a une grande différence. Okay? Il y a une amélioration au moins. Il y a une toute nouvelle notoriété sur l'image de marque de la boîte. Oui, il y a Khadija Diagne. Malheureusement, dans les services publics, on a l'impression qu'ils ne sont pas orientés performance. Et c'est la grande différence entre le privé et le public. Bon, en principe, il ne devrait pas y avoir cette différence. Il devrait pas y avoir cette différence. La notion de performance devrait être vraiment ancrée vraiment dans l'idéal, par exemple, du secteur public, d'autant plus que okay, c'est un service d'intérêt général. Ça doit être le cas, mais malheureusement, on ne le comprend pas, on ne le comprend pas ainsi. Okay, surtout que si vous avez en charge des services publics qui sont essentiels pour toute une population, là, quand même, il faudrait revoir un peu la stratégie à mettre en place. Oui, ok, merci encore. D'autres réactions sur WhatsApp aussi? Oui, des remerciements. Je pense que, OK, si le temps le permet, nous allons peut-être vers une autre présentation, peut-être en 2021, si Dieu le veut. Peut-être revenir un peu sur la notion davantage un peu sur la notion de SAV, essayer de voir, prendre des cas assez spécifiques, essayer de les analyser, d'étudier un peu, faire un diagnostic ensemble. Parce que maintenant, on doit aller vers une toute nouvelle approche, c'est-à-dire développer des cas, essayer de procéder à un diagnostic.
Cela permettra quand même à nos followers, à leur niveau, par exemple, de contribuer sur le diagnostic que nous ferons pour voir un peu ce qu'on pourrait apporter comme élément assez concret. Donc, sur ce, nous allons devoir vous quitter en souhaitant à tout un chacun une bonne et heureuse année 2021. Donc, que 2021 quand même soit l'année de changement. L'année de changement tant rêvée par tout le monde parce que on a vécu 2020, ok, 2020 assez difficile, mais Dieu merci qu'on soit là quand même pour le raconter. Hein. Donc Dieu merci pour vivre vraiment qu'en 2021 qu'on puisse vraiment assister à des changements majeurs hein, sur la situation actuelle, ok, avec cette pandémie peut-être qui va tirer à sa fin avant le 31 décembre, on le souhaite bien. Donc, très bonne année à tout un chacun, ok? Que 2021 soit une année de prospérité, une année de bonheur, ok? Une année de succès aussi, hein? Zéro pandémie surtout, zéro pandémie, stop Covid aussi, ok? Merci, merci à tous vraiment d'avoir suivi quand même ce live avec un intérêt assez particulier. Il y en a qui se sont connectés depuis le début et qui ne se sont pas déconnectés. Merci à vous tous, nos chers followers. Donc, on se donne rendez-vous en 2021 et nous saluons et remercions encore une fois toute l'équipe de Marketing TV Monde, hein, toute l'équipe de Marketing TV Monde, le doyen Mujtaba, Lai Bamba, Ablaye Mbow, ok, Khalifa Djabi, Chimère, ok, donc tout le monde, toute l'équipe de Marketing TV Monde, hein, tout le monde, donc on peut pas les citer, Zofu Dramé à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire aussi, Malak et tout le monde. En tout cas, nous vous disons un grand merci et on se donne rendez-vous peut-être en 2021 pour d'autres plateaux, peut-être des plateaux où on aura l'occasion quand même d'être tous présents sur un même plateau pour pouvoir échanger sur des thématiques plus intéressantes. En tout cas, merci encore une fois et on se dit à 2021, Inch'Allah. Bonne et heureuse année à tous. Merci. Merci.